Nostradamus nous fait la description d'une partie de la catastrophe du Rond Nord. Il nous prédit des vents d'une violence extrême dans le monde. Il nous indique également une maladie contagieuse comme la grippe qui se propagera par une brume dans l'est du monde. Nous rechercherons un ou plusieurs financiers pour nous permettre d'acquérir une ferme avec une dizaine ou une quinzaine d'hectares. Alors si vous pouvez nous aider afin de devenir entièrement autonome, cela nous permettra de construire les premières serres semi-enterrées et la culture de plusieurs hectares de blé afin de rentabiliser l'exploitation. L'Europe entière doit s'attendre à vivre des moments difficiles avec toutes sortes de pénuries. Donc c'est à nous de prévoir cette autonomie que nous faisons actuellement à petite échelle. Tous les renseignements pour me joindre se trouvent à l'avant-dernière page de la vidéo. Maintenant, nous allons découvrir le très peu réjouissant 4195. Les présages que je vous délivre sont avant tout pour prévenir de plusieurs événements climatiques dans le monde. Nous devons surtout envisager que les temps futurs ne seront plus comme avant. Nostradamus a bien écrit que les veaux gras sont terminés. Nous devons prévoir un changement qui sera l'opposé de ce que nous connaissons. Prévoyez, mettez la nourriture de côté pendant qu'il est encore temps. L'eau, le froid et un début de famine mondiale vont nous toucher de plein fouet. Je demande à certains d'entre vous de prévoir, cela ne vous coûtera que quelques sacrifices. Vous le constaterez par vous-même, dans le courant de l'année, la nourriture va augmenter. Vous le constaterez dans les supermarchés. Voici le 4195 de la 5e centurie. Nautique Ram inuitera les Imbres. Du grand empire leur viendra concité, la mer Aégée des lignes les encombre, empêchant l'onde Tyrène d'effloter. Voici la première ligne du quatrain 95 de la 5e centurie. Nautique Ram inuitera les Imbres. Voici la révélation. La haie nautique, les eaux hautes, seront dans ces notes clés. Tu doutes de ce cryptage. Ce sera la volonté de voir la menace. Tu verras les heures de Ram en ayant l'âme de moi le médecin. Ayez les yeux sur la première nudité, sur les Inuits. La nuit, j'ai les visions rapides de la terre et les heures de râle que j'ai laissées dans ces usages d'expression. Ce savoir est sain, il faut assumer cette époque proche. Les usages des êtres provoqueront des scènes nautiques par la haine des eaux. Ce sera dans ces notes. Tu doutes et tu verras les rames des Inuits la nuit. Sera la vision de la terre en heures de râle. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les usages et les applications seront sur les êtres par une brume. Un rhume sur les hommes sera senti. Ces usages et applications seront sur l'est de cette terre en heure de râle. Marchera la lecture en juin. J'ai vu venir au XXIe siècle le premier ayant l'âme amère. L'Amérique connaîtra les heures de la mer et les risques. Le cryptage sera la volonté de voir la menace et vanter ses vents de haine dans nos notes élevées. Les heures seront hautes, les avoir dans nos notes clés. Notez dans tes thèses, les usages d'expression seront brumeux. Il faut mettre mes usages d'expression pour cette terre qui sera en heure de râle. Le peuple des Inuits vit dans la région arctique de l'Amérique du Nord, du Groenland ainsi que de l'Alaska et de la Sibérie. Les Inuits vont subir un sort terrible. C'est ce qu'affirme Nostradamus. Il voit ce peuple ramer, donc se sauver comme ils le peuvent. Les Inuits feront partie de la catastrophe du Rond Nord, tout comme l'Europe du Nord, ainsi que les côtes françaises. Vanter ces vents de haine. Par ces trois mots, Nostradamus nous annonce deux situations. La première, ce sera dans le monde entier des vents de haine, des manifestations terribles de la part des peuples, contre l'injustice des gouvernements. Et le deuxième, des vents de haine, ce sera une année où nous n'aurons jamais vu autant de cyclones, de tornades, d'ouragans, de trombes marines et de destruction par la puissance des vents. Ce sera les fameux vents de haine. Voici la deuxième ligne du quatrain 95 de la 5e centurie. Du grand empire leur viendra concité. Voici la révélation. Dans ce devoir, j'ai géré l'époque de l'année des Andes qui seront démises. L'empire émettra un pouvoir de la pire angoisse. Ce sera irréel. Ce sera le relais pour les eaux que vous aurez dans les jardins, les bergers, les villes et les villages. Maintenant,
sévirons les visions de l'existence des gens en haine en ces heures de drap. Horace, il faudra raconter les permissions phonétiques concis aux cités de la terre. Quand les heures du fil du grand empire seront, alors les eaux séviront, sera les visions des gens en heures de drap, ainsi seront les races. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. La terre sera en terreur en ces heures de récit, savoir, sire, l'angoisse qu'il faut raconter aux races. En ayant les premiers sons phonétiques sur cette onde, ce sont les dires de Dieu. Les yeux des gens seront en haine à cause de cette sévère vérole. Ce sera l'époque pour ce rôle par ces rouleaux d'écrits sur les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Dans cette lecture, vous lirez l'angoisse des armes des pouvoirs qui mettront la planète en danger. Ensuite, la dangereuse année de neige. Il faudra gérer cette époque rude. Nous avons Dieu sur une terre en terreur. De 16 heures, tu as le récit ici. Raconte l'onde qui arrive. Ce sont les dires de Dieu qui a les yeux sur les gens et cette sévère vérole. Voici la troisième ligne du quatrain 95 de la 5e centurie. La mer Aégée déligne les encombres. Voici la révélation. Là, les notes rendront l'âme amère. Sera indiquée les heures de la mer en rage, la mer enneigée. La durée de la vie sera limitée. C'est l'aide de Dieu qui a délié les usages d'expression où était scellée la lecture des lignes. La GN naîtra dans ces usages d'expression scellés, laissant les scènes à l'intérieur de cette connaissance. Le savoir des hommes est sombre. On se rapproche des usages et du maniement des êtres. La mer sera à ce moment-là enneigée. La vie se limitera, car la GN sera déliée. Maintenant, voici la même ligne, écrite à l'envers. Voici la révélation. Savoir l'heure du boom, un homme, mécène, connaîtra les 100 scènes au-delà de ta région. Laissez dans cet essai de la connaissance, vous connaîtrez les usages d'expression où est scellée la lecture des lignes. Il faut vouer une fidélité totale et sans réserve pour obtenir la genèse de la GN qui arrive. Naîtra de ces usages d'expression cet essai de la connaissance, ce sera l'aide de Dieu. Enneigé, il faudra gérer les heures de rame. Mon âme est mêlée à ces notes qui contiennent ce premier savoir de l'heure du boom. Les hommes connaîtront les scènes laissées dans ces lignes où naîtra la GN. Voici la quatrième ligne du quatrain 95 de la 5e centurie, empêchant l'onde Tyrène d'effloter. Voici la révélation. Le pouvoir de l'usage d'expression donnera cette émission qui produira l'essai de la connaissance de l'heure de l'année hantée nettement. Cette telle vague est indiquée par Dieu en été. Vous aurez des tirs et de l'angoisse, tout sera rasé, gratté, brûlé, effacé. Les rennes, les caribous. Par ma foi naîtra l'aide de Dieu par ses usages d'expression. L'effet des flots, les eaux hautes au-dessus des têtes. Tes thèses émettront le pouvoir de ce thème de pêche et de poisson. Il faut savoir l'heure hantée de cette année de la dantesque onde. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Avec elles seront tes thèses, les heures refaites, les flots, les eaux hautes. Tes thèses sont un effet cédé de l'aide de Dieu. Par ma foi, la haine sera nette en été par des tirs et des angoisses irréelles. L'eau sera réelle par une onde dantesque. Cette année était hantée, et nettement, tes thèses feront cet essai, et vous connaîtrez l'heure. De ce pouvoir émis par moi, mes thèses de l'heure, sur terre par les flots. Les eaux hautes, les thèses seront l'effet de l'aide de Dieu. Par ma foi nettement naîtront des tirs irréels. L'onde sera réelle et dantesque. De cette année hantée, tes thèses produiront cet essai qui fera connaître l'heure. Le pouvoir de l'émettre se fera en été. Les rennes, ainsi que les caribous, sont des cervidés vivant dans la région arctique, en Alaska, au nord de l'Europe, de la Sibérie et du Groenland, ainsi que dans les régions arctiques de l'Amérique du Nord. Tout comme les Inuits, Nostradamus dit qu'ils seront éradiqués. Ils seront brûlés, grattés, effacés. Nostradamus a une façon extraordinaire de décrire un endroit à travers une race et des animaux, puisque les deux, les Inuits et les caribous, ainsi que les rennes, font partie pratiquement des mêmes régions
il n'en existe nulle part ailleurs, sauf dans des zoos ou dans des élevages. Tes thèses émettront le pouvoir de ce thème de pêche et de poisson. Dans cette phrase, Nostradamus a une façon extraordinaire d'instiller dans l'esprit la situation future. Dans certains quatrains, Nostradamus dit bien que les hommes seront des poissons, et lors du cataclysme, certains seront repêchés. À travers ces deux mots, Nostradamus nous résume entièrement la situation future. Si vous désirez me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même 10 euros seront les bienvenus. Merci infiniment pour votre don futur qui nous aide énormément. Je vous remercie infiniment d'avoir participé avec moi à la lecture des révélations de Nostradamus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.